stata per me. Soffrire vuol dire amare sempre te. Curare che venga in me tutto il dolore di questo amore. C'est une histoire de vacances. De vacances à Rome. Le rêve de la moitié des Américains de 16 à 70 ans. Or, Nora Davis en avait à peine 20. Elle était pleine de vie, mais avec un côté romanesque. Et à défaut d'autre chose, elle s'évadait de la réalité en lisant des romans policiers. Mais celui-ci devait être le dernier. Elle l'avait juré à sa mère, et Madame Ethel Bartacci, la vieille amie de la famille qui allait l'héberger pendant son séjour, était chargée de s'en assurer. Pardon. Vous fumez, mademoiselle? Non, merci, j'ai un paquet. Alors, qu'en ai-je fait? Eh bien alors, prenez-en une des miennes. Oui, vous êtes trop aimable, monsieur. Gardez dans tout le paquet. J'en ai une réserve quand je voyage. Je vous en prie. Merci. Mademoiselle. Mesdames et messieurs, vous êtes priés de ne plus fumer, d'attacher vos ceintures. Nous arrivons à l'aéroport de Fiumicino.